Salut tout le monde! Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc ça va être une vidéo maquillage. Donc maquillage des yeux marrons, parce que j'ai les yeux marrons et parce que ça m'a été pas mal demandé. Ne vous étonnez pas si je suis habillée pareil que sur l'autre vidéo, mais c'est parce qu'en fait j'ai fait plusieurs vidéos le même jour, c'est pour ça. Je ne suis pas une grande crado, vous en faites pas. Donc je vais vous montrer comment je maquille mes yeux. Là j'ai fait mon teint. Donc voilà, mon teint est fait, j'ai pas fait mes yeux comme vous pouvez voir. Donc je vais vous montrer ce que j'utilise pour maquiller mes yeux. Donc moi j'utilise cette petite palette. Donc moi je vais utiliser deux fards aujourd'hui, je vais utiliser un fard un peu couleur crème et un fard couleur gris. Parce que ce qui est bien en fait, c'est que quand on a les yeux marrons, on peut se permettre un petit peu tout. On peut se permettre le marron, le gris, le violet, le vert très foncé. Donc c'est parti. Donc moi je vais utiliser un seul pinceau. Voilà. Donc c'est ce pinceau-là de la Naked 2. J'aime bien parce qu'il a un petit pinceau là, il est super pratique. Donc du coup, je vais prendre un petit peu de fard beige. Hop. Et je vais venir mettre sur ma paupière mobile. Mais en insistant plus sur la zone vers le nez. Je sais pas si je suis assez claire dans mes propos. Hop. Et ensuite, je vais en rajouter un peu de fard clair au-dessus de là où il y a le sourcil, enfin en dessous du sourcil. Hop. Donc je vais faire pareil de l'autre côté. Vous voyez, j'insiste vers la zone où il y a le nez. Et pareil, je vais en mettre donc en dessous du sourcil. Voilà. Donc ensuite, on va prendre le fard gris, celui-là, et on va venir le placer donc dans le coin externe de l'œil, ici. En faisant des mouvements, des petits mouvements circulaires. Et on essaie d'insister un peu dans le creux de la paupière. Ça donne un petit effet. Donc on fait pareil de l'autre côté. Donc ça va donner ça. Je sais pas si vous voyez quelque chose. Ça donne un petit reflet gris. Donc là, pour ce qui est de. Pour ce qui est de l'ombre à paupières, c'est tout ce qu'on va mettre. Donc ensuite, on va passer au crayon. Donc moi, je vais utiliser un crayon vert foncé. Donc c'est la marque Kiko. Donc, je ne sais pas si vous allez voir, il est quand même assez foncé. C'est vert très foncé. Et je vais aller en mettre dans la muqueuse de mes yeux. Voilà. Et on va faire pareil de l'autre côté. Donc une fois que c'est fait, ça doit vous donner ça. Donc je ne sais pas si vous voyez, ça fait un petit côté vert, mais discret. On ne voit pas que c'est vraiment vert. Et moi, ce que je fais pour que ça se voit encore moins, en fait, c'est que je rajoute par-dessus, en fait, du crayon noir. Donc quand vous avez fini, ça doit vous donner ça. Donc ça fait un léger, une légère couleur verte en fait. Et ce que j'aime bien, c'est que vu que c'est vert, en fait, ça fait bien ressortir les yeux marrons. Je sais pas si vous voyez. Donc voilà. Et ensuite, donc on va passer au mascara. Donc c'est ce mascara-là. Donc moi, j'en mets que sur les cils du haut. Voilà, donc ça donne ça. Donc voilà, donc mon maquillage des yeux marrons est maintenant terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous fais à tous de très gros bisous et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao! Bye bye!